Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau vlog de gros. Aujourd'hui, je suis chez The Moonwalk à La Teste de Buch, et non pas de Buc. Voilà, je me la pète en fait, mais c'est quelqu'un qui m'a dit comment le prononcer. Merci Camille. Et bien sûr, je ne suis pas venu seul, j'ai amené mes gros de chez moi, mes enfants. Enfant numéro 1, enfant numéro 2, salut, et enfant numéro 3. Bonjour. On va se faire plaisir, vraiment, la street food asiatique, c'est un des trucs que je préfère. Là, on a choisi des noix KO. Et enfant numéro 2 a choisi un pad thaï poulet. On a juste demandé à remplacer le riz dans le noix KO par des nouilles plates. C'est parti. Et vous me connaissez, moi je suis un guerrier. Baguettes. Et comme ils savent que je suis nul avec les baguettes, ils ont mis un mode d'emploi. Alors dans leur mode d'emploi, c'est pratique, mais il manque juste le numéro 4. Tu sais, celui où tu fais tomber la bouffe parce que t'as mal attrapé les baguettes. Bismillah. Ça fait vraiment un super goût, tu vois, la viande de bœuf, elle est bien cuite et tout. Et au WOD, vous avez pu voir le spectacle pyrotechnique qui nous a été offert tout à l'heure. C'est vraiment très très bien cuit et tout, le mélange des saveurs, c'est super. Les nouilles, elles sont très très bonnes. Je préfère ça aux nouilles udon en fait. Les nouilles udon, j'en ai déjà pris. J'ai l'impression que c'est je sais pas, j'accroche pas. Là, celles-là, elles sont super, vraiment, regardez ça. Elles sont vraiment magnifiques. Et c'est très très bon, avec la ciboulette ciselée qui donne un goût sublime. Et bien sûr, on a pris un bon supplément de cacahuètes qui n'est pas pour nous déplaire. L'équipe du Moonwalk, ils sont vraiment adorables, c'est vraiment des gens super gentils et tout, parce que vous voyez, les nouilles, je les trouvais un tout petit peu sèches au début, et j'ai demandé, et ils m'ont resservi de la sauce avec grand plaisir. Là, on va kiffer. Mmh. Wow. Avec le petit regain de sauce là, sublime. Et les petites pousses de soja. Ça apporte un petit côté croquant à tout ça. Magnifique. C'est le moment d'un contrôle de mi-parcours avec les gros du jour, mes enfants. Enfant numéro 1, comment ça se passe? Ça se passe super bien. Moi, au tout début, comme toi, je pensais que les nouilles... Enfin, je voyais que les nouilles étaient un peu sèches. Et quand la sauce est venue, vraiment, c'était hyper bon. Là, on peut voir qu'elle manque pas de sauce, là. Ouais, c'est très, très bon. Le bœuf est hyper bon. Le bœuf et les crevettes, c'est ouais. Super bon, ouais, c'est clair. Enfant numéro 2, comment ça se passe? Ça se passe très bien, comme enfant numéro 1, quand j'ai vu le bol, je me suis dit ouais, ça c'est pas un bol de céréales. Hein. Ouais, parce que là non, là c'est super généreux, t'as vu ça? J'ai vu à peine le contenu était à la moitié du bol. Ouais. Mais on dirait que c'est rempli, hein, franchement. Mais c'est clair, hein. Et là t'as bien attaqué et pourtant c'est il en reste si, encore plein. Quoi. C'est comme si j'avais rien touché. C'est ça. Voilà. Au niveau du goût? Les nouilles, elles étaient excellentes, enfin, elles sont toujours excellentes. Et Le poulet, très bon aussi, voilà. Avec la sauce en plus sur les nouilles, c'était vraiment... Ouais, toi aussi, t'as dû rajouter un peu de sauce. Ouais, ouais, c'est... Non, mais c'était très très bon. Mais voilà, même avant la sauce. D'accord, merci. Et pour ma part aussi, j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment super. Et on y retourne. Ce que j'aime bien dans le noix KO, en fait, c'est le mélange des deux viandes. Moi, j'aime bien les mélanges de viande en général. Et là, on a du bœuf et des crevettes. Je ne sais pas comment les bœufs et les crevettes s'entendent dans le règne animal, mais dans le règne de mon bol, ils s'entendent super bien. Hashtag after bonne bouffe. Les amis, c'est donc la fin de ce magnifique repas et je vais prendre l'avis de mes gros du jour, mes enfants. Enfant numéro 1. Ce repas, il était très spécial et ce serait peut-être le meilleur wok de ma vie. Ah. Et sinon, le bœuf était hyper cuit et il était hyper bien cuit, je veux dire. Voilà. Hyper cuit, ça peut vouloir dire qu'il était cramé. Non, donc, il n'était pas cramé. Merci le Moonwalk. Ouais. Merci à toi. Ouais, merci.
sinon il y avait un peu trop de sauce sur sur la fin. Ouais, parce qu'en fait on a demandé de rajouter de la sauce, donc forcément à la fin ça faisait un peu trop de sauce, mais ça va, c'était quand même bon. Oui, ça va. Donc j'en déduis que ce magnifique repas était l'un des meilleurs. Ok, merci. Enfant numéro 2. Pareil. Toi, c'était un pad thaï poulet. C'est ça, oui. Le poulet, il y avait assez de poulet et tout. Ouais. C'était bon. Pareil pour la sauce, c'était. Mais parce qu'on a demandé à en rajouter, voilà, c'est ça. Donc, alors, évidemment, les deux. Peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'on aurait dû un peu mélanger le tout. C'est peut-être parce que la sauce n'était pas mélangée dedans. Possible. Elle était peut-être au fond, et du coup, on en a rajouté par-dessus. Ouais, au fond, on voit bien le. C'est ça. Le cercle de sauce, hein, voilà. Mais c'était bon. Oui, c'était très bon. Ok, ravi que ça t'ait plu. Je recommande. Bon, enfant numéro 3, j'ai l'impression que toi, par contre, ça t'a pas trop plu. Ouais, c'était pas très bon, mais c'était bon. Bon, les amis, pour ma part, j'ai bien aimé. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un petit problème de compatibilité avec l'enfant numéro 3. Mais c'est comme ça, on fait des tests, on teste des choses, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc lui, il a pas trop aimé, mais tout le reste a bien aimé, tout le reste de la tablée. Donc franchement, c'était un plaisir. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est super bon, vraiment. Je suis un fan de la street food asiatique. Et là, on a vraiment été servi, quoi. Donc on vous recommande The Moonwalk, qui se trouve à La Teste de Buch. Et je vous mettrai l'adresse exacte dans la description. N'hésitez pas à me suggérer des nouveaux lieux pour des prochains vlogs de gros, ou me donner votre avis sur des lieux que j'ai déjà testés. Je vous dis à très bientôt, les amis. Bis à tous, même à toi là-bas.